Ne trouvant pas un toit pour abriter sa famille, ce jeune père a trouvé refuge dans ce fourgon situé au centre-ville de la commune d'Al-Harrach. Sur place, nos équipes ont constaté de visu une famille qui vit un calvaire. Interrogeant le père sur cette situation, il dit vivre un cauchemar au quotidien et ça fait de cela 2 ans que cette situation perdure. Je vis dans ces conditions depuis maintenant 2 ans. Nous souffrons au quotidien. Je demande juste une habitation pour regrouper ma famille. Je souhaite juste de vivre normalement, comme tout le monde. Il faut vraiment trouver une solution à cette situation. Je travaille la nuit. Quand je pars le soir, j'ai vraiment peur pour ma femme et mes enfants. Une famille qui ne peut plus supporter de vivre dans ces mauvaises conditions. Une femme qui vit le jour, elle interpelle les autorités concernées. Je ne peux rien faire face à cette situation. Nous n'avons pas d'argent pour louer. Je sollicite les autorités concernées afin de trouver une solution à cette situation désastreuse. Vous savez, j'ai peur que mes enfants tombent malades. Quand mon mari part au travail le soir, je ne ferme pas l'œil de la nuit. Je ne peux même pas effectuer mes tâches ménagères. Nous avons quitté les lieux laissant derrière nous une famille animée par l'espoir de vivre un jour dans de meilleures conditions.